J'ai juste besoin d'un téléphone portable. Quoi, le... C'est pour juste en fait, je vais faire un tour sur votre téléphone. Je peux vous prendre. Allumé ou... Non, peu importe. En fait, ça, c'est votre téléphone. Nico, qui est ici sur la droite, est un complice. Il bosse avec nous sur la chaîne. On avait prévu de piéger Evan, un pote à lui qu'il ne me connaissait pas. Avec Nico, on s'était mis d'accord sur l'heure et l'endroit où je pourrais les intercepter. Vous me faites confiance ou pas? D'accord. Je peux vous demander de me tenir juste mon. Là, via un petit tour de passe-passe, je file à Nico le téléphone d'Evan et lui me passe un modèle identique complètement HS. De me tenir juste mon truc. Voilà, ok. C'est un quoi? C'est un iPhone 6 ça? Ouais, ouais. Ok. Ce qui va se passer, c'est que je vais faire un tour de magie. Je vais penser très fort dans ma tête qu'il faut qu'il n'arrive rien du tout à ce téléphone. Je vais le lancer par terre. Comment ça, le tour de magie, c'est lancer, parce que si c'est lancer mon téléphone par terre, vaut mieux pas... En fait, c'est le tour. Je suis un magicien. Ça fait quand même 10 ans que je fais ça. Je vous demande juste de me faire confiance. Est-ce que je peux vous demander de dire cette phrase-là? Gouloum, gouloum, téléphone, téléphone. Vas-y, dis-le. Gouloum, gouloum, téléphone, téléphone. Ouais. Ok, c'est parti. Il y a pas de faire. Mais... C'est pas mon téléphone, ça. Mais attends, mais... Ça a pas marché. Moi, mais... bon, je suis désolé, hein. Comment ça, ça va marcher? Attendez. Mais attends, c'est mon téléphone, ça? Ça a pas marché. Non, je croyais que ça marcherait, en fait, ça a pas marché, mais bon, non, je le retenterai sur un autre. Enfin bon. Mais putain, mais je bosse avec, moi. Je souhaite une bonne journée, après. En tout cas. Et... Mais attends. Non, non, mais en fait, je sais pas si. Non, je pensais que ça marcherait. Bon, voilà. Bah, ça, on a tenté, hein. Mais attends, mais putain, mais bon, c'est mon instrument de travail, ça. Bah, vous ferez d'autres instruments, de la flûte, par exemple. Non, mais je suis. Non, mais. Et en plus, il garde l'humour, mais tu non, peux pas, le mec me prend vraiment pour un con. L'un comme l'autre, on a passé un bon moment. Et c'est... Non, mais à quel moment on a passé un bon moment? Il va falloir leur payer le téléphone, mais attends, mais je peux pas, j'économise pour un scooter. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton scooter? Mais tu sais combien ça coûte un iPhone 6? Mais non, mais en attendant, je te prête un Alcatel que j'ai, regarde. Attends, est-ce que je peux tester s'il marche encore? En deux parties, il a l'air de. Attends, putain, il a l'air de marcher le téléphone. Il y a peut-être encore une partie qui marche. Est-ce qu'on peut lui dire que c'était. Lui dire quoi? Que c'était une petite caméra cachée. Comment ça, c'était une caméra cachée? Ah ouais, ton pote Nico, il est complice depuis le début. Et ton téléphone, tien, il est là. C'est le mien, c'est le tien. Ça, c'est un faux en fait, cassé. Sérieusement? Bâtard, je suis désolé, putain. Vous êtes vraiment des bâtards, putain, c'est un truc de ouf, putain. Je suis désolé. Franchement, le tour de magie qui débute, tu. Je me dis, il va pas vraiment faire ça, il m'a proposé l'Alcatel, j'ai dit. L'Alcatel, c'est la marque qui énerve tout le monde. Ah, au fait, le téléphone que j'ai lancé par terre est encore en très bon état, donc n'hésitez pas à l'acheter. Je l'ai mis en vente sur internet. Voilà, à un prix totalement amical. Mon Facebook, c'est Grégory Guillotin-Tireno, et pour voir nos dernières vidéos, les pires magiciens du monde, cliquez sur le lien dans la description.